Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la peinture des figurines et on va voir la suite de la figurine au 1.35. Donc pour ça j'ai opté pour le ceinturon, on va commencer, j'ai opté pour du Germanic Camo Beige, du English Uniform, du Flat Yellow et du Blanc Ivoire qu'on retrouve sur notre palette humide. On va commencer à faire notre mélange. Donc la base de ce mélange, c'est vraiment du Germanic Camo Beige et ensuite il y aura vraiment un tout petit peu de English Uniform, de jaune et de blanc. C'est vraiment l'histoire de l'assombrir. Comme ça après on pourra revenir plus ou moins au Germanic Camo Beige pour faire un éclairci et on va faire un jus après par dessus et peut-être un éclairci en rajoutant un peu de blanc et de jaune. On va jouer avec les couleurs comme ça pour avoir un effet plutôt sympa et réaliste. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va venir ajouter du camo beige à notre couleur de base qu'on a fait avec un petit peu de blanc et on va venir commencer à éclaircir et réduire les zones petit à petit. Toujours pareil et le même principe que sur le pantalon et tout le reste de la figurine. Donc là on passe au premier éclairci. Donc j'ai ajouté un petit peu de blanc et j'ai ajouté encore un peu plus de camo beige à notre couleur de base. Et on va commencer à faire ressortir toutes les zones. Alors voilà la figurine après deux éclaircies grossiers, on va dire, couleur de base. J'ai fait un premier éclairci rapidement,
et j'ai un petit peu affiné avec un deuxième éclairci, mais bon, voilà, j'ai pas trop insisté. Et justement, là, je vais passer à l'étape des ombres, je vais faire un jus, ça va me permettre de savoir où j'en suis dans mes éclaircies. Et s'il faut, après, on va revenir éclaircir une dernière fois pour être sûr d'avoir un bon rendu. Maintenant, on va venir faire un petit jus pour faire ressortir un peu les ombres. Et pour ça, on va utiliser du 70-941 de chez Valero. Donc maintenant, on va venir faire le troisième éclairci, voire un quatrième. Donc on vient rajouter un petit peu de blanc à notre deuxième éclairci. Et maintenant, on va passer aux bottes pour faire le cuir. Alors, j'ai opté pour du flat brown et du orange clair. Et on va retrouver notre jaune et notre blanc ivoire. Alors on commence à appliquer notre couleur de base. Donc là je suis hyper dilué, mais en même temps c'est pas plus mal. Comme ça va bien aller dans les, comme un jus pratiquement, hein. Et ça va bien aller dans les zones les plus sombres et ça va me faire ressortir toutes les lignes de la figurine. Donc c'est pas plus mal. Et puis on repassera une deuxième ou une troisième couche après. Comme ça on a un bon rendu. C'est plutôt pas mal. C'est un jeu de patience. Donc maintenant on va commencer à identifier les zones. Donc on va commencer à éclaircir. J'ai ajouté un petit peu de jaune, de blanc et un tout petit peu d'orange, mais très légèrement. Je joue avec les couleurs.
Et là, on commence à faire ressortir les grosses zones. Donc ces couleurs, ça me permet juste d'avoir un effet cuir, on va dire, bah, assez usé quand même. On va dire bien usé, bien patiné. Après le troisième éclairci, j'ai ajouté un peu plus de jaune à tout ça. Et en fait, là, le mieux, c'est quand même de faire un petit brossage au niveau des lacets. Donc, à certains endroits, là, je fais des petits brossages parce que bon, les détails sont vraiment très très fins là, pour des lacets. Et pour faire ressortir tout ça, vraiment un dernier éclairci dessus. Donc, pour le moment, j'ai pas fait d'ombrage. Je vais la laisser comme ça et je verrai vraiment à la fin, une fois la figurine finie, si il y a des retouches par-ci ou par-là à faire. Alors, pour la semelle des chaussures, je vais utiliser du 79-141, c'est du terre ombre de chez Vallejo. Donc voilà les bottes terminées. Donc voilà, une fois qu'on a joué avec les couleurs entre le orangé, le jaune, le blanc avec les éclaircies, donc on a vraiment un effet super sympa de cuir, vraiment une patine plutôt cool. Et donc je pourrais encore pousser avec les ombres et tout ça, mais vu qu'on n'a pas touché à notre couleur de base qui était hyper diluée, on a quand même un petit effet plutôt sympa. Maintenant, on va commencer à peindre le haut de notre figurine. Donc pour ça, en couleur de base, il y aura la Louvoisin Green de chez Vallejo, contrairement au Military Green du pantalon. Et on aura toujours du Russian Uniform. Alors maintenant, on va commencer à faire un premier éclairci. Et là, tout simplement, on va commencer à ajouter juste un peu de Russian Uniform pour un premier éclairci. Vu que c'est une espèce de pull à moitié strié, on va dire, on va beaucoup jouer avec les brossages parce que c'est beaucoup trop fin pour, avec la pointe, faire, on va dire, striure par striure. Donc sauf les grosses zones, au début bah, je commence à mettre des coups de pinceau, on va dire, du sens de l'éclaircie. Mais sinon, il y aura beaucoup de brossage. C'est beaucoup plus facile pour les petits détails. Donc pour le moment, on va dire que je fais un premier éclairci assez grossier pour voir ce que ça donne. On vient continuer pour un deuxième éclairci en ajoutant un peu plus de jaune.
un petit peu de blanc. Et on va venir commencer vraiment à faire deux dernières éclaircies comme ça. Et identifier en faisant un petit brossage les dernières zones pour donner un peu de relief tout simplement. Et on continue l'opération en ajoutant encore un peu plus de jaune, troisième voire quatrième éclaircie avec un peu de blanc. Mais après il faut faire attention quand même, faut pas oublier, les gens ont tendance à oublier qu'on travaille sur du 1,35, donc c'est vraiment très très petit. Et puis bon, après faut voir avec la lumière aussi, la lumière ça joue énormément. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous invite quand même à aller voir sur Facebook les photos que je publie, parce que sur les photos ça n'a pas tout à fait le même rendu, c'est beaucoup plus détaillé. Et selon la lumière aussi et le focus, ça joue énormément. C'est pas évident sur du 1/35e, mais ça faut pas l'oublier. Voilà la figurine qui commence à prendre tournure, donc après 3-4 éclaircies. Donc j'ai joué avec les couleurs, j'ai ajouté un peu plus de jaune sur du vert pour pouvoir avoir un petit éclairci avec un peu de blanc. Et donc voilà, il me reste encore 2-3 petits détails au niveau du col. Voilà pour finir. Et après je vais m'arrêter là. Pour le casque, alors j'ai pas détaillé le casque pour ça. Je suis parti sur un loof waffle aussi. Et donc après j'ai fait un tout petit éclairci dessus avec un petit jus. Et j'ai assombri avec un jus sur le casque, on va dire, de terre d'ombre aussi. Donc un peu le même principe que le pull sans aller jusqu'à de gros éclaircies comme ça. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Du moins il me reste des petits détails à finir, notamment la crosse du pistolet et des petites finitions. Mais c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le maximum de commentaires et de likes pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les maquettes et figurines. Salut les amis, ciao.